Open this goddamn door! Cet homme est un troglodyte. Tirac, la prochaine fois, c'est le ban. Mais non, Osef, tu vas aller Tirac, va te faire modérer. Tu peux nous faire un résumé de ce qui s'est dit, du coup? Pas du tout. Je sais qu'elle a enfermé son pote troglodyte dans une cellule, parce qu'il y avait l'air d'avoir un quiproquo, on appelle ça. Ou un conflit. Là, elle trouve un autre monsieur. Elle sait pas qui c'est. Ça a l'air d'être un visiteur du futur, parce qu'on est en 94, et normalement, les trucs sur le dos, fluorescent, ça n'existe pas. Non, j'en sais rien, ça a l'air full nanar le son. Ça donne envie. Bien sûr, oui, bien sûr. On a un chop de troglodyte. Ça va être ma nouvelle expression, je vais la foutre partout. Ouais, c'est un truc comme dans Ghostbusters. Retenez pour tirer un frost spray. Ah ouais, d'accord, super. Donc c'est pour... pouvoir du frost spray. Putain, c'est à chier, l'effet il est tout pourri. Je sais marcher totalement normalement et de manière subtile. Je marche de manière parfaitement naturelle. Et non, elle veut pas la frostbulette là. C'est le même bouton. Mais c'est quoi ce bordel? Oh là là, il est chiant ce jeu de merde. Bon bah fin du jeu. Ça y est, c'est fini. D'accord, je sais pas comment j'ai fait, hein, cherchez pas. Hein. Je sais pas. C'est la vie. Ah, une nouvelle énigme. Oh, trop se faire chier. On a une alerte surchauffe, les arrivées de carburant. Ah, ça veut dire qu'il faut peut-être les refroidir. J'ai trouvé ça tout seul. Pourquoi elle balance des... Voilà, c'est ça qu'on veut. Je reviens. Je vais prendre mon café quand même, hein, parce que... C'est bien gentil de vous divertir, mais il faut que je pense à moi un peu. Ah, quand faut utiliser des flingues, là, il y a du monde. Refroidir le tuyau. Ouais, j'attends que ça explose, moi. Si c'est un jeu réaliste, normalement ça devrait péter. Hein. Des trucs nucléaires en surchauffe, logiquement, si tu laisses faire la nature, ça devrait exploser dans peu de temps. Hein. Non, attendez, je me fais mon café, je vous en mets. Là, il faut accent que... Voilà, là c'est bon, là il faut foncer. Refroidir l'autre truc. Et là, il faut refoncer. Mais putain, ça, c'est... On dirait qu'elle fait... d'accord, je vais pas terminer ma phrase. Merde, quoi. Ah, hein. Ah d'accord, c'est parce que je le faisais pas assez longtemps, super. Ah non, voilà, là il y en a assez, là, merde quoi. Putain de merde. Le streamer est pas bon. C'est faux. C'est le jeu qui a chié. Parce que là, il faut en fait que j'attende que la barre de glace elle, se remette à fond. Modérez vos propos, s'il vous plaît. C'est bon. C'est pourri. Ça a l'air tellement plus dur qu'Elden Ring. Oh, on s'emmerde, c'est magnifique. Bravo, very good. Putain, le jeu est tellement pourri. Hein. Il est pourri à crever. C'est méga beau, mais c'est chiant. Hein. Oh. France Finisher. Ah, quoique. On peut faire comme dans TK. Mais moi, je tire dessus. Je suis rigolo. Bon, en gros, elle a un truc. Hein. Un freeze opaque du futur, en gros. C'est formidable. C'est formidable. Elle dit des grosses insultes, hein. Ça, cette démarche de dessin animé, j'arrive pas à m'y faire. Hein. On s'emmerde. C'est beau, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est tellement du déjà vu. Le passage sur la plateforme de Metal Gear Solid 5, sur la plateforme de quarantaine avec les soldats zombies, hein, c'était mieux foutu niveau mise en scène, tu vois. C'est la mise en scène, il y en a pas, en fait. Ça se voit dans les attaques de monstres, dans tout. Y a pas de mise en scène, quoi. Y a pas d'ambiance. Ça chie quoi. C'est pas horrible non plus, mais ça chie quand même. Mais il date de quand ce chef-d'œuvre? Je sais pas. Pas de 94, mais c'est un petit studio qui a dû le faire aussi. Hein. Il est beau ça, y a pas de souci, mais l'animation quoi. De tout. L'animation de tout et au revoir. Il manque quelque chose, y a pas de musique, y a pas de petits bruits ou d'ambiance sonore pour te faire flipper un peu avec des bruits chelous. Bon. Ok, première tentative de jumpscare, quoi. Mais ça marche pas, quoi. Mais j'en parlerai pas de Resident Evil 7, hein, qui est le meilleur jeu du monde. D'horreur, tout confondu. Vous pourrez toujours jouer sur vos télés, hein. Ça décalera jamais Resident Evil 7 en VR. Je lis les derniers messages. La VR, c'est saut 2020. La VR, c'est trop cher. Bonsoir. Alors, je lis les commentaires, mais dans l'autre sens, ça aidera. Ouais, mais je peux pas... Je peux pas remonter le chat comme ça, c'est chiant. Pas encore de game. Ah vous moi qui est pareil, c'est pas facile. Mon charge, je l'ai paré. On s'en dit des conneries. Hein. Le chat est bon esprit. Hein. Le jeu est tout pourri. Mais le chat, il est bien. Hein. Putain, je n'ai pas mon flingue. Mais regarde l'animation, comme elle est pétée, quoi. Elle est tellement générique, quoi. C'est pas efficace. Oh, on peut lui faire un truc. Oh, une fatalité comme dans des combats. Ah, ça permet de tuer les trucs. Ils sont électrifiés, d'accord, ok, c'est de la merde.
Et là, il faudrait que je leur congèle la gueule en gros, quoi. Bah, faut les congeler avant. Ça, c'est pas mal. Bon, j'avoue, c'est pas mal. En fait, faut les congeler avant de les buter. Tu as raté un tir de fusil à pompe au corps à corps. Oh, c'est cool. Ah, attends deux ans. Parce que là, les conneries, c'est bien gentil, mais moi, il faut que je... J'ai un combat à mener. Voilà, c'est bon. Non, mais arrête de me faire des bisous, t'es chier, là. Voilà. Oh, mais non, bah oui, il est pas mort. Fallait le congélifier avant. Merde, j'ai plus de balles dans le flingue. Oh, va faire foutre. Ça me laisse pour toi. Oh, on se moque pas. Sacré Véronique pour lui. Je sais pas qui c'est. C'est quoi, c'est quelqu'un de connu, ça? Bon, eh ben, j'aime pas ce jeu. C'est pas assez trop ludique pour moi. Trop compliqué. Hein. Non, mais non, j'ai pas le temps de prendre mon flingue. Voilà, là, t'es mort. Là, je te congèle la gueule, là, bien, là, 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 tu sens, là. Et là, je voudrais bien te tirer dessus. Voilà, pour faire apparaître l'arc électrique magique. C'est mon ennemi. Et là, je vais plus avoir de balles dans le flingue. Là. Tiens, mais putain. Oh, j'en peux. Oh, j'en peux plus, ce jeu à con. Mais c'est pourri! Je vous jure, il va aller à la poubelle. Oh merde, il y a le dossier de ma chaise qui se casse la gueule, qui claque d'un coup. Ah non, mais c'est un signe, hein. Y a rien qui va. Allez, Véronique, pense aux enfants. Enfin, attends, je vais regarder qui c'est quand même, parce que je connais pas. C'est une chanteuse, c'est une actrice, c'est une politique. Citoyen qui a avoué avoir tué 3 de ses bébés, dont 2 qui est entreposé dans un congélateur chez eux. Ah oui, d'accord. Je... Bon, et par contre, ça me permet de comprendre la blague. Ah, mais toi, t'es vraiment. Elle est bien, hein. Elle est bien ta blague, en fait. Ah putain, ouais, quand même. J'étais même pas au courant de cette affaire judiciaire. Elle a eu son petit succès dans les... Oh la vache, les mecs. Oh, l'humour noir de ouf. Ah, là, non, j'avoue, là, ouais, elle est recherchée, putain. Ah, elle est pas connue pour les bonnes raisons. Elle aurait mieux fait de jamais se faire connaître, du coup. Ça aurait peut-être été mieux. Hein. On va congélétiser le bordel, là. Hein. Voilà, là, on y croit. Non, je me suis gouré, mais non! Putain de jeu de merde! Oui, 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 ça aussi. Oui, mais j'en ai marre. Ils savent que me faire des chocs, je peux rien faire. Putain, ça me pète. Non, mais c'est une infamie de merde. Allez, prends ton truc, là! Voilà, c'est... Là, normalement, on est bon. Oui, bah, forcément, là... Ok, bon, je commence à piger un peu. Sauf que là, allez. Voilà. Putain, faut pas perdre de temps, hein. Donc, en gros, c'est une lumière du futur, un truc électrique du futur, qui se balade dans le présent et qui... il faut congeler les corps pour qu'il arrête de faire des bêtises. Ça commence à être un peu mieux. Mais le temps que ça se lance, bordel... Le principe de gameplay est intéressant, mais là je vois, c'est compliqué là, bon, voilà. Ça se recharge pas assez vite en fait, c'est ça le problème, je peux rien faire, hein. Tant que le truc est pas rechargé, je vais faire du à chaque fois, quoi. Ouais, je suis mal. Ah, il a pété la nuque, quoi. Ok. Et la phrase bullet sera peut-être mieux, non? Bah, changer de mode de jeu, on va passer en mode de Carole 4. Ouais, mais je sais pas comment on change en fait. C'est mal foutu au niveau du gameplay, hein, je vous le dis direct, hein. C'est pas très bien foutu. Allons-y, allez, on va en chier avec les trois cons. C'est bon, on a fait de l'avance. Oh, mais non! Vous avez vu ce skill, hein, tonitruant, de haute volée. Alors par contre, faut que je recharge à fond. C'est mieux, ça commence un peu à être plus sympa, quoi. Là, j'aurais dû faire... j'ai pas pensé.
si tu vises la tête, t'es peinard. Ça commence à être mieux. Bon, bien sûr, le bouton là-bas, ok. Là, on va l'avoir. Ah merde, non, même pas. Et là, elle recharge à ce moment-là, c'est très bon. Voilà, c'est bon. Oh bordel, c'est chaud. Oh, mais c'est dur à piger le gameplay de ce merdier. Hein. Je dis, c'est pas évident. Hein. Ok. Oui, on s'en fout. Je veux me casser de l'écran avec qui montre les petits panneaux. Et le jeu a bugué. Non, mais sans déconner, le jeu a bugué. Oh non! Ah non, non, non! Oh putain, non! Mais je m'en fous de ton panneau là! Le jeu a bugué sans déconner quoi! Merde quoi! Je suis pas d'accord. Et merde! Je peux pas revenir en arrière, j'aurais jamais dû regarder ce truc à la con là! Je peux pas aller en arrière! C'est génial! Le jeu a planté. Le jeu il s'est brainfuck tout seul quoi! Salut le DD69! J'ai même pas sauvegardé les gars! Franchement, j'ai peur hein! Si je relance le truc, j'ai peur de redémarrer au début! Hein. J'espère qu'il y a au moins une sauvegarde automatique, parce que le truc, ça a l'air d'être une petite production. Ouais, c'est chaud, quoi. Oh, c'est un merdier. C'est un merdier monumental, là. Je suis obligé d'arrêter le jeu. Oh, la connerie. Hop là, on est obligé de terminer le jeu. Super. On est obligé de relancer le jeu. Ah, putain. Ah, c'est bon, il nous a remis. Oui, bah, puis le moment où c'est encore le truc chiant, toujours, hein. Oh là, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Je suis mort, oh là là. Oh, je comprends rien, ça me fout. Oh, le jeu de merde. Oh, vas-y, je me refais un café, là. Quel jeu, la con. Oh, c'est terrible. C'est terriblement terrible. Bon, je reviens, je vais manger une glace. Ah, fais chier. On est d'accord sur le trailer, il a l'air fou, ce jeu. Mais le gameplay est hard. Ouais, non, il y a des gros problèmes de jouabilité, effectivement. Le fait que... ouais, pour recharger ton merdier, là, c'est... ça met autant de temps, la barre, c'est pas normal, quoi. C'est ce qu'elle disait au procès aussi. C'était trop lent le temps que ça recharge. T'es trop con. Le procès de Courgeot. Après, franchement, c'est stylé, hein. Quand tu congèles les trucs, là, et tout, il y a un côté Sub-Zero, tu vois, qui est un peu cool. Ouais, sauf que c'est vachement moins rapide que la boule de glace de Sub-Zero, quoi. T'as le temps de te faire buter 10 fois. Ça va, mais tu ris. On a changé de jeu, c'est plus Little Nightmares, c'est un jeu tout pourri. C'est moins mignon. C'est une fille, du coup. Elle est en 94. Elle est allée avec son pote Troglodyte. Troglodyte, c'est un synonyme d'homme des cavernes. Faire une opération sur une base militaire, je crois qu'elle était pas à eux, d'ailleurs. Ils ont trouvé des trucs bizarres. Elle a trouvé, en fait, un équipement, un monsieur mort, qui avait un équipement de congélation. Et en fait, il y a une petite lumière qui s'amuse à passer de corps en corps. Qui ressuscite les cadavres, sauf que t'as beau leur tirer dessus, ils se relèvent toujours, à part si tu les congèles avec ton congélo pack, on va l'appeler. Et c'est putain de dur. Le jeu est dur parce que le congélo pack il met trop de temps à recharger. J'ai bien résumé les gars ou pas? Ça va quoi, j'ai bien résumé le truc quand même. Quoi. Et un troglodyte c'est un homme des cavernes du coup. Bon là on peut faire un coup spécial. Tu vois, faut le congeler le truc, faut vraiment bien le congeler avant de tirer dessus, sinon tu peux pas le tuer. Non mais c'était hyper compliqué à résumer quand même, hein, le merdier. Je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Hein. J'aurais pu être un vulgarisateur scientifique. Là, si j'avance un peu de trop... Ah non! Oh putain. J'ai eu peur. J'ai eu peur, les mecs. J'ai cru que j'allais refaire un bug, là. Oh putain. Eh ben, ça a bel et bien bugué tout à l'heure, hein, parce qu'on pouvait pas faire retour. Hein. J'ai eu peur d'un écran, les gars, quand même, quoi. Merde, quoi. J'avais peur que ça replante, quoi. De toute façon, là, par contre, ce jeu-là, on pourra en faire un best-of. Ça, y a pas de souci avec toutes les couilles qu'on a eues depuis le début, et toutes les conneries qu'on a dit, y a pas de souci, on fera un best-of avec. Hein. N'oublie pas de regarder la carte sur le bureau. Alors, pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, quand on a regardé cette carte, le jeu a planté. Il a fallu que j'éteigne tout et que je relance tout, quoi. C'était pas très glop. C'était pas très... Comment elle a dit la fille dans Fallout? Okidoki. C'était pas très okidoki. C'est pas la même ambiance que Little Nightmares, c'est clair. Exactement. C'est pas la même ambiance, hein. Là, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps. Voilà. Je savais que j'y arrivais. Mais déjà, c'est cool si tu fais le jeu. Ouais, je te rassure, il y aura un cas live. Hein. Je crois pas que je vais me faire chier à faire en entier celui-là. Je t'invite, si jamais tu recherches un petit jeu court et sympa à faire si tu l'as pas vu, Crow Country Run, Survival.
D'accord, Crow Country, un survival horror avec une vraie ambiance et c'est des graphismes inspirés de la PS1. Ok.